Et ça lance pour une nouvelle vidéo, je vais faire une vidéo Pixel Gun 3D. Alors, peut-être que vous connaissez pas ce jeu. Alors, ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, vous connaissez peut-être, j'ai fait juste une seule vidéo. Et comme il y a beaucoup d'abonnés qui sont abonnés, du coup, je vais refaire, ça va être comme si c'était la première vidéo. Du coup, il y aura deux parties. La partie 1 où je vais montrer tout ce qu'il y a dans le menu de ça, et la partie 2 où ça va être gagner beaucoup de pièces, tout ça. Bon, d'abord, si vous intéresse le plus, je pense que c'est derrière moi où il est marqué coffre de la chance. Alors, c'est comme un coffre de Clash Royale. Alors, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, c'est toutes les 3 heures, je crois, qu'on pourra le débloquer. Hop, voilà. Là, j'ai. Voilà, 3 pièces. Et là, voilà, il faut que j'attende 3 heures. Après, vous avez livraison d'œufs. Alors, ça, c'était il n'y a pas longtemps avec les mises à jour. En fait, ça va vous permettre, par exemple, là je vais dans chouchou, et là vous allez dans œuf, et là vous verrez, c'est toutes les conditions pour avoir, pour débloquer l'œuf en fait. Alors du coup, comme on est sur le menu d'armes, je vais vous montrer toutes les armes. Alors, il y a les primaires, toutes les armes et tout ça. Il y a les soutiens, du coup les petits pistolets, les mêlés, voilà, il y en a plein plein plein. Les spéciales, voilà, les snipers, et les premiums, voilà, qui sont un peu plus rares. Après vous avez les vêtements, du coup par exemple là vous avez tout ce qui est casque, chapeau, là vous avez masque, armure, là ça peut aller jusqu'à diamant je crois, vous avez l'habillage, hop, vous avez la cape, et vous avez les bottes, voilà. Alors moi le loup je l'ai débloqué dans un coffre, ah même si j'ai oublié de vous montrer, il y a plusieurs types de coffres. Enfin, d'œufs, vous voyez, type d'œufs, il y a les communs, les antiques, les magiques et les champions. Et aussi les animaux mythiques, mais ça, c'est un peu plus rare. Mais par exemple, là, si vous voulez voir au profil, voilà, ici, il y a, voilà, ligne. Alors, là, je vais vous montrer toutes les lignes. Il y a la ligne de bois, de fer, attendez, d'or, de cristal, de rubis. Et inflexible, voilà. Après vous avez des réinitialisations, voilà tout ce que tous les trophées on va dire que vous avez débloqué. Là vous avez le mode aventure, voilà, campagne, arène, bac à sable. J'ai jamais testé, voilà, j'aime pas trop. Alors, moi je suis niveau 6, voilà, vous pouvez voir en haut à gauche. Après vous avez vos amis par exemple, là. Hop, vous pouvez trouver des amis. Hop, voilà, vous pouvez même discuter. Après par exemple se battre, ça on va voir dans le prochain dans la prochaine partie. Ça va être du coup un peu tout en fait, ça va être il y aura plusieurs modes et moi je vais vous montrer lequel rapporte le plus, vous verrez dans la prochaine vidéo dans la partie 2 et je vais vous montrer alors. Voilà, alors, je vais vous montrer voilà, les meilleurs joueurs qui sont là. Alors, vous pouvez voir en haut à droite, voilà, là, il y a des clans aussi. C'était pas ça que je voulais faire. En haut à droite, vous verrez, il y a mon nombre d'or, et mon nombre, enfin, de pièces, et mon nombre de gemmes. Et, leader, voilà, ça va être là, je pense. Voilà, là vous avez tous les meilleurs joueurs, voilà, qui sont là. Là moi je suis 46e. Hein. Hop. On va prendre celui-là. Voilà, on peut voir leur personnage. Meilleur clan aussi. Et il y a aussi les tournois, mais ça il faut être au tout dernier ending. Après vous avez votre nombre de trophées. Et voilà, non moi j'ai tout dit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo partie 1 vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.